Bonjour à tous, il est 21h, bienvenue dans J'ai vu de la lumière, alors je suis entré, votre rendez-vous hebdomadaire d'improvisation scénarisée. Donc j'ai réussi, malgré le confinement, à avoir trois invités avec moi ce soir. Je vais les présenter sans plus attendre d'ailleurs. Bonjour Moreski. Bonjour Clément. Alors Moreski, je crois que vous venez de Russie, c'est ça? Da, moi venir de Grand Metpatrie. Et une question qui peut intéresser les auditeurs, comment est-ce que vous avez fait pour voyager de Russie jusqu'en France, avec toutes les douanes, les restrictions? Moi, voyager par le camion poubelle transcontinental. Ah, d'accord, ça explique l'odeur. Je me tourne vers mon deuxième invité, monsieur, bonjour, monsieur Jean-Hugues de la Pétaudière. Bonjour Clément. Alors, si je me trompe pas, vous êtes avocat fiscaliste, c'est ça? Non, moi je suis contrôleur des impôts. Mon métier consiste à mettre les gens dehors. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Madame Marchand que j'ai mis à la porte aujourd'hui encore. Super, une émission qui sent bon la joie de vivre. Et mon dernier invité, monsieur Kevin Marchand. Ah, tiens. Kevin Marchand, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Ouais, moi je m'appelle Kevin Marchand. Alors déjà, Jean-Hugues, je t'emmerde parce que c'est moi que t'as mis à la porte. Ensuite, moi, je suis en première aile au lycée Saint-Georges de Dantzig. J'aime bien le rap et le skateboard parce que ça fait chier mes parents. Et après, ma vraie passion, j'ai pas trop droit d'en parler là parce que c'est pas vraiment légal, en fait. D'accord, merci beaucoup à tous pour ces présentations. On va passer sans plus attendre à la première improvisation. Clément, toi, arrêtez, stupide meldouille. Moreski, il y a un problème. Nous, pas réel, nous produits de ton subconscient. Comment ça, c'est... Vous êtes tous dans ma tête? Oui, nous tous dans ta tête. D'ailleurs, ta tête, les trimbales d'elle, pas possible. Excusez-moi, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. En attendant de reprendre les vraies émissions, les podcasts sont bien sûr disponibles sur le site d'Indestar, indestar.fr, iTunes, Spotify, Deezer. Et voilà, je vous souhaite un bon confinement. Et une dernière petite chose, vous restez chez vous, sinon goulag. Pardon, bonne soirée, des bisous.